chest. This goes out to Jeff the Beatbox Prince. This one's for you, you. It's funny how the music put times in perspective. Had a soundtrack to your life to perfect it. Whenever you are feeling blue, keep walking and we can't get far. Whenever you it's are, funny how the music put times in perspective. Had a soundtrack to your life to perfect it. Okay, jour 1 à New York. On est à Brooklyn, on est en train de se diriger vers le Barclays Center où aura lieu la finale de l'Overwatch League. C'est une ambiance vraiment différente, Brooklyn pour le coup. Je vais vous montrer quelques images, mais après ça commence très bien. Le vol s'est bien passé, l'hôtel est cool, ça devrait être un bon séjour. Un bon séjour. Et à tout de suite. Devant le Barclays Center, donc l'objectif aujourd'hui ça va être d'interviewer Poco pour ce premier vlog, donc voilà, on va se retrouver à l'intérieur tranquillement, rien d'exceptionnel aujourd'hui, j'essaierai de vous faire un vlog le lendemain avec des endroits cool de New York à vous montrer, mais voilà, pour commencer on va évidemment rencontrer l'homme qu'on va tous rencontrer, c'est donc Poco qui est chez les Philadelphia Fusion qui sont en finale de cette Overwatch League, donc voilà, on va à l'intérieur, on se dit juste à tout de suite, allez, à tout de suite. Je suis ici à New York, enfin Brooklyn, en présence de notre Poco national, le seul français qui a survécu au final à l'Overwatch League. Et oui, malheureusement, je suis seul. Malheureusement, mais heureusement que c'est toi quand même. Heureusement que c'est moi, il est prêt. Terrible. Bon Poco, comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, un peu jetlagué, mais tout va bien. C'est la première fois pour toi à New York ici? C'est la première fois à New York, ouais. Ouais. T'avais été à Philadelphie quand même, c'est pas très loin. Ouais, c'est vrai, c'est quoi, 150 km je crois, un truc du genre? Bah en distance américaine c'est... Ouais. Ça va. Ouais, c'est vrai que c'est grand les États-Unis. Hein. Et du coup, t'avais trouvé ça comment à Philadelphie? Pour le coup, ouais, c'était bien. Surtout qu'on était dans le centre-ville, il y avait tous les fans et tout, franchement c'est giga cool. Ah ouais? Et il y avait beaucoup de monde parce qu'on n'a pas trop vu, moi j'ai pas vu d'image du tout de ça. Donc genre, il y avait vraiment beaucoup de monde pour vous? Il y avait beaucoup de monde, ouais. C'est genre, on était dans un grand bar et c'était genre blindé quoi. Ah ouais? Cool, ok, bon, eh bien Poco, on va pas parler nécessairement de tes fan meetings, on est pas là pour parler de la finale, c'est écrit partout derrière nous, ça y est, t'es en finale de l'Overwatch League saison 1 avec Philadelphia Fusion, déjà dis-nous comment tu te sens, qu'est-ce que ça fait, voilà, c'est un petit peu l'instant émotion, t'as le droit d'être un peu chiant et sérieux pour répondre à cette question et ensuite de continuer à troll. Qu'est-ce que ça fait? Bon, pour le coup ça fait plaisir, hein? Parce que la finale c'est... Enfin, déjà je me voyais difficilement au play-off, sans langue de bois. Et du coup en finale, genre tu te dis mais c'est insane en fait, parce que c'est la saison 1, du coup t'es là en mode waouh. En plus si on gagne c'est le million, hein. On va le chercher hein. Nouvelle maison du coup. Allez, on refait tout, ouais. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Et tu sais ce que tu vas faire avec ces sous? Ou pas encore. Là, j'ai l'impression d'être dans un jeu télé. Alors mon cher Guy, qu'est-ce que vous avez fait avec ce million de dollars? Non, probablement rien en vrai. Je vais juste le garder en banque parce que le joueur pro c'est pas... Hein, c'est pas... Ça dure pas. De foot. Ouais, non, voilà. Ok. Bon bah, mon cher Poco, t'es en finale donc pour toi. Comment vous avez fait? Quel a été vraiment le facteur qui a fait que Philadelphia Fusion a réussi à passer en finale? Parce que... On peut pas dire que vous étiez l'équipe haut de tableau toute la saison. C'est vrai, on n'était pas les favoris. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le petit bonhomme là-bas, c'est Carpe. Carpe. Il tire sur les gens, lui. Ah, les porcs. Ah, ouais. Ah, il rigole pas. Ah, non. Du coup, on est là, nous, on joue tous autour de Carpe et il tue les gens. Et du coup, on est là, bah, bravo Carpe. D'accord, donc c'est juste Carpe. Non. En vrai, je déconne, mais enfin, toute l'équipe est très très solide. Carpe, il est très très fort en DPS. Du coup, on joue autour de lui et je pense que ouais, ça marche bien. Du coup, notre play style. Et EQ, bon EQ un petit peu quoi, vite fait. Non, EQ très solide aussi, arrête, oh le salaud. Mais je sais pas, j'ai l'impression... Non mais je pensais vraiment que t'allais me dire plutôt EQ et Carpe, et Carpe encore plus ouf quoi. Pour moi Carpe c'est le meilleur DPS du game, ouais. Ah ouais, ouais. Genre meilleur que Pain et tout. Ah ouais, meilleur. C'est the champion. Ok.
Ok. Mais alors, en termes de méta, tout ça, est-ce que il n'y a pas eu un changement de méta qui vous a plutôt été favorable? Nous, on a cru analyser ça sur le caster desk français. Est-ce que, parce que vous avez pu un peu beaucoup vous entraîner en interne avec votre deuxième line-up, c'est peut-être ça plutôt qui a payé pour vous? Je pense que ouais, ça a été favorable, le changement de méta, surtout contre le match contre New York, parce que New York, c'est une grosse équipe dive. Ouais. Du coup, nous, tout ce qui est Orisa, Anzo, Widow, c'est très très bon pour nous. Et ouais, je pense que ça a été au bon moment, la méta change. Ok. Alors, maintenant, je vais te poser une question. Question que énormément de fans de Poco se disent. Je ne sais pas si tu as déjà vu les chats français pendant vos matchs, mais il y a une phrase qui revient souvent, c'est « No Poco, no win ». Alors, c'est la question relou, hein. Mais est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la décision derrière le choix de Hotba par rapport à toi? À quel moment vaut mieux prendre Hotba? À quel moment vaut mieux prendre Poco? Objectif, hein. Attention, hein. Objectivement, hein. Pas de langue de bois. Pour le coup, je le sais pas, en vrai. Je te jure. Ah bon? Mais non, au début. C'est genre, il y a une roulette avec. Ouais, c'est ça, il y a chaque map. Hotba Poco, Hotba Poco. Non, sans deck. Au début, c'était genre le duo Pragi Poco. Ouais. Parce qu'on se communiquait ensemble. Mais ça, c'est ce que tu m'avais dit au début. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'était le duo Hotba Sado. Parce qu'ils communiquaient en coréen ensemble, du coup, ça se passait bien. Sado a été unban au bout des 30 matchs. Et on n'a pas eu beaucoup de temps de practice parce qu'on était allé à Philadelphia, du coup, c'était tendu. Du coup, ils ont laissé le duo Sado Hotba. Et sur la quatrième. Non, sur les playoffs, je ne sais plus où on est. Là, on est en finale. Non, tu veux dire la demi? Contre New York? Non, ouais, non. Ou contre. Non, en playoffs en général. En playoffs en général, ouais. ils ont décidé de me mettre sur des maps où je peux faire des bombes, tout ça. Parce que la méta, c'est Orisa. Du coup, c'est assez facile de faire des bombes. Genre, t'as juste à casser le shield et les gens, ils meurent. Ouais. Du coup, ils se sont dit, sur Junkertown, par exemple, il y a beaucoup d'Orisa. On va mettre Poco. Sur Volskaya aussi, en fait. C'est une réflexion comme ça derrière les coachs et sur Kings Row aussi, hein, parce que Kings Row c'est sympa. Bah oui, c'est sympa. Du coup, on prend Poco pour Sazaria. Voilà. Mais alors, du coup, donc il n'y a pas vraiment. Pour toi, est-ce que tu penses que tu vas avoir plus de temps de stage au fur et à mesure, vu tes dernières performances? Parce que récemment, on a vraiment surtout. Enfin, toi, t'es full win en ce moment, quoi. Toi, t'arrives et que vous gagnez. Genre là, contre New York, t'es arrivé, gagné à chaque map, quoi. Ouais, je sais pas si ça rentre en compte, mais pour le coup, j'essaie de calmer l'équipe quand elle est un peu trop hype ou... Enfin, pas trop. Toi, tu calmes les gens? Ouais, moi je les calme, moi. Ah bon? Genre, j'en mets des claques sur le front comme ça, tu fais « Carpe, tu te calmes ». C'est trop énervé, la Carpe. Stop. Ok, d'accord. C'est toi qui fais le mec calme, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont tous là en train de crier, mon gars. « Dis-moi. Chut !» On se calme. D'accord. Tout le monde. Le respect, quoi. Respect. Ok, d'accord. Ah, je savais pas ça. C'est intéressant. Et alors, du coup, donc du coup pour Hotba Poco, on sait pas trop, en fait. C'est genre un peu, c'était par rapport à ta synergie Diva, qui est que souvent t'étais choisi sur certaines maps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et par rapport justement à la composante communication avec Sado et Hotba et Carpe, est-ce que tu, enfin, du coup, dans votre équipe, ça communique en anglais et en coréen? Ça communique quatre pas. Ça communique pas. Personne parle. Tiens. On fait des bruits. Comme ça. Non. Ça communique 90% du temps en anglais. Ouais. À part quand Sado, Hotba et Carpe veulent communiquer entre eux. Genre par exemple faire une dive ou. Enfin, qu'est-ce que t'as mangé à midi, tu vois, en plein milieu de la game. Ouais. Genre là, ça communique en coréen, quoi. Mais tu penses pas que c'est peut-être quelque chose à éviter? Parce que ça. Du coup, vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, toi, tu sais pas, puisque c'est quand il y a Hotba et tout. Mais pour peut-être Ikkyo, ça peut être un peu déstabilisant, non? Ouais, bien sûr. Mais après, ils évitent de le faire. Hein. C'est genre que quand c'est nécessaire. Mais ouais, non, pour le coup, faut faire avec. D'accord. Ok. Non, là, c'est intéressant de voir un peu les pratiques de chaque équipe. Bon, alors du coup, mon Poco, c'était une petite interview rapide comme ça. Est-ce que du coup, tu as quelque chose à dire à la communauté? Parce que t'as quand même un petit peu gagné en popularité ces derniers temps par rapport à la communauté française. Comment ça se passe tout ça? Alors, nous avons Shadowburn qui se venge. Stop, Shadow. Grenade. On se fait bombarder. It stays there, ok? Calm down, Shadowburn. Il faut que tu lui calmes aussi. Il faut que tu lui mettes des claques aussi. Des claques sur le front, lui, ça va partir. Des claques sur le front. Donc, ouais, ça fait comment, du coup, d'avoir un stream avec enfin des gens dessus?
Comment ça? J'ai pris la grosse tête. Non. Ouais, complet, là. Le melon, gros. Mais c'est lui, t'es dans le club des streamers succès, du coup. Ouais, c'est ça. T'as vu, c'est sympa. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Les yachts, tout ça. Ouais, les boîtes de nuit, mon gars. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais ça fait comment, du coup? Non, pour le coup, ça fait plaisir. Puis surtout, la communauté, elle est super. Elle est super compréhensive. Je ne sais pas, hein. Il est pas terrible ce mot. Hein. Des fois, d'accord, c'est juste le mot en fait. C'est ouais, pas, t'étais pas sûr de le dire. On coupe. On va couper du coup parce que ça veut plus rien dire. C'est pas, je coupe en montage. On coupe pas. Je sais pas. Hein. J'en sais rien moi. Ils veulent voir ça, tu crois? Je pense pas. Non. Ça marche pas si je parle comme ça. Non, les gens ne veulent pas voir ça, je pense. Du coup, on en est où là? Cette interview ne va nulle part en fait. On est perdu. On est full perdu. C'est terrible. On va manger peut-être après. Je sais pas. Ouais, il y a des trucs à boire. Il y a des trucs, ouais, j'ai vu. Ouais. Mais c'est que de l'eau. Il y a pas d'alcool. Ah ouais? Non. Non, nul. Ouais. Du coup, l'alcool, vous avez été en tant que joueur pro l'alcool? Je sais pas. Je sais pas. À ton avis, est-ce que j'ai l'air ivre là? Non. Mais en stream des fois. En stream des fois, non? Non, ça va? Non. Jamais. Mais du coup, toi, tiens, petite question sérieuse. Allez, on retourne sur du sérieux. Niveau, sport, pratique physique et tout. Mm-hmm. Toi, c'est sérieux, toi. Est-ce que t'es un de ces escrocs qui sont genre ultra fit sans rien foutre? Non. Pour le coup, je vais à la salle. Enfin, pas à la salle, parce que c'est dans le garage. Du coup, je vais au garage 3-4 fois par... Tu répares des voitures, du coup? Ouais, je fais la plomberie, tout ça. Tu te mets un petit peu d'huile partout. Avec ma petite salopette, là, gros, tu me vois arriver, hein. T'es pas hier, moi. Mais non, pour le coup, ouais, je vais à la salle, je cours un peu après les matchs. Ouais. Du coup, ça va, on essaie de se maintenir en forme. Ok, ouais, c'est vrai qu'au final, j'ai l'impression qu'avec l'Overwatch League, il y en a de plus en plus de joueurs qui font gaffe, etc. Et ouais, pour toi, c'est un vrai impact sur le mental, le sport, etc. Ah bah carrément, si tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête. Et ouais, c'est toujours mieux d'être en forme physiquement. Ouais, forcément. Ok, bah écoute, mon bon Poco, on va se laisser ici. Est-ce que tu as quelque chose à dire du coup à la communauté? C'est la fameuse question chiante, tu sais, mais tu peux dire quelque chose si tu veux. C'est okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment bien, je crois. Bah coucou les gens qui m'aiment bien, d'abord. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça remercie vite fait et ça plug direct ses canaux sociaux. Non, salaud. Non, pour le coup, non, merci tout le monde qui nous suit, les Français surtout avec le 6. T'as vu, je l'ai placé, hein. T'es avec le 6, t'as hâte. On défonce la Corée cette année. Bah facile, gros, 3-0 en finale. Hop là, on rentre à la maison, champion du monde deux fois. Non, merci beaucoup les gens, tous qui me suivent. C'est pas terrible, hein. Je suis pas un très très bon joueur. Non, c'est pas tout, c'est pas fou. On te sent plus à l'aise quand tu streams. C'est vrai. Ouais. Ouais. Tu devrais en faire ton métier. Allez, streamer. Allez. Animateur. Animateur. Tu deviens Lutti. Ouais. En plus beau. Wow. Ouf. C'est pas sympa pour Lutti. Ah. Bah faut lui mettre des baffes un peu à Lutti de temps en temps. C'est vrai, je vais lui mettre des petites tattoos sur le front là. Hop là. Voilà. Voilà, bon merci Poco. C'était une interview extrêmement awkward jouée avec Gaël. Putain, arrête de faire ça. Il est terrible. Bon, mesdames et messieurs, c'était l'interview avec Poco, l'interview bizarre, on va l'appeler comme ça. Ça va être les nouvelles interviews, les interviews bizarres avec Poco, mais ça va être une série uniquement réservée à Poco. Voilà. Donc je vous laisse ici, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se fait des bisous et on se revoit très prochainement. Au revoir Poco. Oh. Au revoir. It's funny how the music put times in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whatever you are, feeling